Cette rencontre voulue par le Front populaire ivoirien intervient 8 mois après la précédente tenue en mai dernier. C'est juste une prise de contact pour rétablir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition sur divers points à débattre dès 2015. Qu'il s'agisse des problèmes des prisonniers, du problème du dégel des comptes, du problème des exilés, du problème du financement des partis, de la sécurisation du territoire, de l'accès de l'opposition aux médias d'État, de la préparation des élections générales de 2015. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble avec le gouvernement et nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous rencontrons pas, si nous n'engageons pas de façon décisive le dialogue politique. Mais pourquoi renouer le dialogue au moment où accourt le procès de la crise post-électorale concernant la dignité du Front populaire ivoirien, dont Simone Gbagbo? Il y a des questions qui sont pendantes devant les tribunaux, il faut y être. Mais en même temps, cela ne doit pas nous couper du gouvernement, puisqu'il y a encore d'autres questions qui sont à régler. Et ces questions qu'on ne nous concerne pas personnellement, mais ce sont des questions qui concernent la Côte d'Ivoire, qui concernent la vie et le sort de nombreux Ivoiriens. Donc nous ne pouvons pas prendre prétexte du fait que nous-mêmes, personnellement, nous sommes en procès pour nous détourner de toutes ces questions. La libération de 150 prisonniers de la crise post-électorale et le retour de l'opposition à la commission électorale indépendante constituent quelques points de décrispation du climat politique ivoirien.